Allez. Alors. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, ce tour s'appelle. Hop, je vais mettre dans l'ordre. Rayon X. Rayon X. Alors, Jérôme, c'est le nom, parce que c'est lui qui m'a fait les cartes. Qui m'est, que dans j'ai... les collants, j'ai réussi qu'à trouver ce truc-là, donc ouais. je supposais que c'était ça. Alors, j'ai donné un cahier des charges, j'ai dit tu me fais ça, 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 ça. Il l'a fait, mais il ne sait pas pourquoi. Donc, il m'a fait des cartes à dos rouge avec marqué rayon X, des cartes à dos bleu et marqué rayon X. Il m'a découpé des petits bouts de papier et il m'a écrit des chiffres sur ce petit paquet qui est là. Et il ne sait pas à quoi ça va servir. C'est vrai. On y va ? Allez, j'ai hâte de voir ce que c'est. Rayon X, c'est les pouvoirs hein, qui me sont conférés pour pour la journée. tu vas voir, tu vas adorer. Tu vas même être troublé, je pense. Tu vas dire, là, c'est impossible. Rappelle-toi de ce que je te dis, tu vas dire, là, c'est impossible. Donc, regarde bien. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 5. Tu peux choisir le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Tu vas faire exactement la même chose si tu choisis que le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Imagine, tu choisis 2. Tu en prends 2 du dessus et tu les passes dessous. Tu peux faire même 1 et 2. D'accord. Si tu choisis 4, c'est pareil. Tu peux en prendre 2, 4. Mmh. 2 plus 2, 4. Ou 3 plus 1. 1, 2, 3. D'accord. Plus 1. Ok, compris. Compris. Alors tout ça, tu vas le faire pendant que j'ai le dos tourné. Mmh. Et moi, je vais essayer de deviner ce que tu as fait. Si tu ne regardes pas, c'est pas possible. Si je ne regarde pas, c'est pas possible. Mais, rayon X. Allez, tu vas adorer. Regarde pas. Je regarde pas. Je vais passer ça comme carte. Et donc, je vais le faire comme ça. Ok. J'ai aucune possibilité de savoir. Ah, si tu ne regardes pas, c'est pas possible. Tiens. C'est bon ? Eh bien, regarde bien. Je vais essayer de faire juste ça comme ça. Et normalement, j'ai une carte de retournée. Du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Et une carte de retournée. Mmh. Le 5. C'est bien ça. Ça commence bien. C'est bien ça. Ouais. On va le refaire une deuxième fois, différemment. Tu vas me dire, oui, peut-être que j'ai touché, c'est ça? Peut-être, oui, essaye, bah, sûrement, parce que, bah, on sent, mais c'est difficile de savoir ce que c'est. Ouais, rapidement en plus. Eh bien, c'est pas ça. C'est vrai. C'est pas ça. Mais on sait jamais, t'as enjeu-ment, comme d'habitude. Donc, tu vas le refaire une deuxième fois. Je vais passer ça ce coup-ci. Ça y est. Ça y est. Comment tu peux faire ça? Tiens, tu les poses sur la table. Tu peux là, tac, tac, je fais joli pour que tout le monde les voit. Ah bah là, si tu les touches pas, c'est pas possible. Étant donné que c'est toi qui as fait les cartes, tu sais qu'elles sont pas truquées. À moins que je les ai truquées après. Ça, c'est sûr que je les ai pas vus. Donc mais... on voit bien que le blanc est blanc. Ouais, non, mais Franchement, ouais. Si elles sont marquées, c'est balèze. Mais ça sert à rien de savoir, puisque à la fin, tu vas voir que... Non, elles sont pas marquées. J'ai trop l'habitude mais... pour voir s'il y a un marquage ou pas. Ici, il y a une carte. Ouais. Le 3. 3. C'est fort. C'est fort? Ouais, c'est balèze. On le refait? Ouais. Tiens, regarde ce que tu vas faire. Tu vas le refaire la même chose, disons, avec d'autres chiffres ou le même chiffre, on s'en fout, mais on va le faire différemment. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire ça. Et je vais le passer comme ça. Ça y est. C'est pas un truc que tu faisais avec des cubes, ça? Exactement. Ouais, voilà. Je le faisais avec des cubes, mais j'ai rajouté, j'ai amélioré avec un tour de... Mais bon, les cubes... Les cubes, tu vois, là, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas rire, moi. Et je sais même pas si tu savais que je fais comment ça marchait. Tu sais que j'aime bien le faire. Je l'ai su, mais... Allez, vas-y, pose-les, comme ça. C'est tellement vieux. Tu te rappelles du nombre? Oui, je me rappelle du nombre. Tu prends les trucs en couleur, là. Ouais. Et tu les mélanges et tu les mets sur les cartes que tu veux, dans l'ordre que tu veux, les couleurs que tu veux. Ah, là, c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Parce que je sais qu'il n'y a pas de marquage sur les cartes, mais même s'il y en avait un ou alors que c'est comment vraiment subtil, là, c'est pas possible. Alors, je t'explique. Comme tu disais, je faisais avec le cube. On voit, mais là, on voit rien. Mais c'est... Ouais. Parce que même s'il y a un marquage sur là, même si je marque 1, 2, 3, 4 ou 5 sur les couleurs, vu que tu les as mélangées, que tu les as posées, je suis sûr que même toi, tu sais pas où aller.
Ah non, je sais pas absolument pas où elle est. Enfin, je sais combien de cartes j'ai passé, mais où est mon chiffre? On le voit? Non, pas du tout. Alors on y va? Ouais. Comment je vais te le faire? Côte d'Azur, c'est bien bleu. Bleu, ouais. Côte d'Azur. On va regarder le bleu, ouais, j'adore le bleu, moi. Bleu, ah, une carte blanche. C'était quoi ton chiffre? 2. 2? Ça marche. Ah putain. Tu veux le refaire? C'est ouais. Avec les papiers? Ouais. Allez. Et ce coup-ci, tu te retourneras quand j'aurai posé les papiers. Quoi que c'est ce que t'as fait, non? J'avais posé les papiers avant. J'avais encore une. Ah ouais, j'avais posé les papiers avant. On le refait. Allez. Ah, c'est balèze. Je vais poser ça. Je regarde pas, de toute façon, je regarde pas. Je vais faire comme ça. J'ai aucune possibilité de savoir si c'est génial là, dans ce tour. Tu le reposes, que ça soit. Alors, on regarde rien, ouais, jusqu'à quand que j'ai. Et là, je repose les papiers dessus direct. Même hein. Si je regarde, je vois rien puisque les cartes sont blanches. Ben ouais, mais bon, à part un marquage. C'est vrai que de toute façon, c'est tellement fou qu'on se dit. Tous les moyens sont bons pour que je sache pas, donc c'est bon. Allez, c'est bon. Ah, joue un peu. Ouais, non, voilà. mais là, c'est sûr. Mais c'est je sûr, regarde même rien. Pas. J'aime bien le rose, tu le sais. J'aime bien le rose, mais on peut regarder le rose. Ben ouais. Allez. Pourquoi bon, ça sera du rose, hein. Pourquoi le rose? Je l'enlève pour faire joli. Hop. Et voilà. C'était combien? Quoi ton chiffre? 4. C'est marqué là. 4. 4. Aïe 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 aïe. C'est balèze. On regarde ce qu'on va faire. C'est fort quand même. Si tu choisis le paquet rouge, il sera pour toi. Mm-hmm. Si tu choisis le paquet bleu, il sera pour moi. Okay. Et inversement, si tu choisis le. Si tu choisis le rouge, tu le prends pour toi, il restera le bleu. Et si tu choisis le bleu, il sera pour toi et moi je prendrai le rouge. Ok, donc pas de choix qui évoque. Exactement. Ok, eh ben, choisis le rouge parce qu'il est plus près. Allez, tu prends, tu mélanges. Tu mélanges. Et tu les poses en ligne droite, là, que ça fasse joli. Tu peux les regarder, voir si l'ordre te convient. Il n'y a aucune importance. Tu peux regarder les cartes, voir si, je sais pas. Je regarde pas. Allez, c'est bon. T'as un ordre au hasard? Ah ouais, totalement. Que tu ne connais pas, que je ne peux pas connaître, tu les poses? Ah ça c'est sûr, tu peux pas les connaître. Vas-y. Moi j'ai des cartes ici. Comment on va te faire ça? Tu vas me choisir n'importe quel chiffre. Entre 1 et 6, puis ça 6 cartes. Mmh. Et il n'y aura pas d'embrouille. 4. 2. Et 2. Ok. Là, on aurait pu faire 1, 2, 3, plus 1, 1, 2, 3, 4, 2, 2, c'est bon. Ça te convient? Mmh. Une carte. De toute façon, c'est le hasard. Mmh. Les cartes ici, la carte là, on va la laisser là. Et on jouera avec celle-là, les autres c'est fini. Ça c'est foutu. Et là, tu vas refaire une dernière fois. Hein. Dessus, dessous. Tu peux le dire à la caméra, tu peux me le dire à moi. Je peux plus rien changer maintenant puisque les jeux sont faits, rien ne va plus. Je vais faire 5. Vas-y. Et je vais le faire 1. Et puis 2. Ça fait 3. 3. Et puis 4. Et 5. Et tu les poses une en face de chaque carte. Une. Une en face de chaque carte. 1, 2, 3. 3. 4. Et 5. Et 6. Et 6. Ça, c'est ta prédiction, je ne peux pas changer. Non, je crois que c'était un truc. Non, c'est propre, c'est bon. Ouais, ouais. Tu croyais que c'était un marquage? C'était un poil. C'était juste une poussière. On regarde. R. Ok. Comme rayon X. Oui, comme le A de rayon X aussi. R. Donc, on va chercher où il est le R. Ah, il n'est pas là. Oh. Oh. X. Ah ah. Décidément. Hein. À croire que je le savais. R. R. Donc,
Une carte. Ça serait fort quand même. Ah, parce que t'as choisi ça avant ça. Là, ça, ça serait balèze, ouais. C'était quoi ton chiffre? 5. Et ça marche. Le 5. Oh putain. Il est pas mal, hein. Ah, c'est joli. C'est vraiment beau. C'est tu connais le mélange à l'américaine? À l'américaine? Ouais. Oui. Tu sais, attends. Non, bon, non, pas une des saunes sur la table. Ah, australienne? Non, le mélange, c'est... Tu la mets une sur la... Après, hein. Une sur la table, mmh. Une dessous. Ouais. Une sur la table, une dessous. Tu connais celui-là? Oui. Combien tu choisis? T'as dit, j'ai un chiffre. Vas-y. De quoi? Combien? Mon chiffre? Ouais, pour passer les cartes. Hein. 4. Allez, vas-y pour 4. N'oublie pas une. Rayon X. Et je vais prendre 3 comme ça. Une et 3? Ouais. Ça fait 4? Mmh. Allez, une sur la table? C'est impossible. C'est impossible. Ah ben là, c'est, il faut qu'elle soit dans un ordre bien spécifique, donc c'est pas possible. Une sur la table. Une sur la table. Une dessous. Une dessous. Une sur la table. Une dessous. Une sur la table. Une dessous. Ça, c'est sur pas la possible. Table. Alors, c'est vraiment dessous. Une chance. Et j'ai bossé. C'est combien? 4. C'était 4. On regarde. 4. On peut le faire de plein de façons et il y a plein d'idées, je vous les donnerai. C'est là, quoi, les bonheurs? Là, à part un coup de chance, c'est pas possible. Non. Mais comment tu. Là, c'est fort. C'est un mélange australien, voilà. Si c'est... Mais en plus, regarde, c'est tout dans le désordre. Hein. Oui, oui, non, mais ça, de toute façon... 1, 4, 3, 5, 2, 6... J'ai compris 2, tout 6. Dans le désordre depuis tout à l'heure, tout ce qu'on fait. Ah, c'est fort. Voilà. Donc, vous recevrez des petites cartes bien presses, bien préparées. J'avoue, c'est balèze. Alors, j'avoue, c'est balèze. On a du rouge et du bleu, je sais pas ce qu'on aura après. Là, j'ai dit de me le faire avec les moyens du bord. Ça sera toujours les mêmes. Donc il y aura toujours ces couleurs-là, c'est sûr. Oh, les moyens du bord, j'ai passé 2 heures à faire ça. Oui, mais on ne sait pas si je vais en faire plein, si j'ai assez de rouge. Ah oui, de d'accord. Bleu. Donc peut-être ça changera des verts et du jaune, mais bon, du noir. Donc. Ceux-là, c'est des martelés cuivrés, les lettres. Ah ouais, ça j'adore ça. Ceux-là, ils sont belles. Ah ça, c'est le... Mais... Voilà, on voit les reflets du voilà. Vinyle, c'est magnifique en vrai. Alors, je ne sais pas comment je vais le vendre. Je vais le vendre déjà tout prêt, avec les explications qu'on va faire juste après, si on a le temps. Et peut-être qu'en téléchargement, et les gens, ils achèteront donc l'explication et ils se feront le matériel. Peut-être, je dis bien. Ou alors, ou le téléchargement, ou le jeu complet. Ils auront peut-être le choix des deux. Mais, et, un truc à savoir, si vous achetez le téléchargement... Et qu'après vous dites, oh, j'ai pas envie de me le fabriquer, que vous achetez le tour, malheureusement, je vais pas vous rembourser le téléchargement. Réfléchissez bien avant, vous savez ce qu'il faut faire, il faut prendre des cartes, mettre des chiffres, des lettres, du papier canson de toutes les couleurs. Donc, pesez le pour et le contre, si en voyant le prix, si j'ai fait les deux, hein, je sais pas encore, mais si j'ai mis en téléchargement et en achat de tour, si ça vaut le coup d'acheter, voilà, vous verrez. Et bien, donc voilà, je disais, c'est puissant. C'est un tour avec les cubes, comme tu disais, que j'aime bien faire, mais que j'ai. J'en ai marre de trimballer ce gros truc, j'aime bien le faire au comptoir. Il n'y a vraiment aucun marquage? Il n'y a aucun marquage. Non, il n'y a aucun marquage, je ne sais pas. Tu mets ça dessus, Jérôme. Tu mets ça dessus. Ben oui, parce que c'est vrai que maintenant que tu dis ça, je peux le faire et les cubes. Je peux écrire un 2, 3, 4, 5. Mais les cubes, tu les vois, donc... Je les suis, mais c'est une adaptation aussi avec si t'écris un 2, 3, 4, 5 sur le dos, c'est oui, mais que tu mets ça dessus. Eh oui, là, je suis d'accord. Donc même s'il y a un marquage, c'est pour ça que je vois pas. Là, comme ça, là, au... On aurait pu directement mettre ça tout le temps. Mais j'aimais bien y aller crescendo. Ah, j'ai une idée, ah, j'en ai plus, et ainsi de suite, et de plus en plus fort. Donc j'ai adapté avec une idée aussi de, je disais, Bob Wagner. J'ai jamais vu ce truc décrit. On n'a pas les mêmes livres. Voilà. Et j'adore, parce que là, c'est vraiment... Le pire, c'est que je suppose que c'est un tour automatique. Puisque forcément, tu ne fous rien. Jamais de la vie. Donc, comment je fous rien? Donc, à part l'automatique, 100% automatique... T'as vu comment j'étais à l'aise? J'ai bossé. Non, mais c'est, voilà, franchement, c'est fort. Vous avez que ça à trimballer, et ça fait un bon petit tour qui tue. Parce que le mec, il fait ce qu'il veut, vous ne le voyez pas, et ça marche. Bon, joli. Explication? Refais-moi-le, mais n'importe quelle phase.
Il faut que j'enlève ça. Parce que du coup, dans le dos, je pense avoir compris. Mais en fait, non. Parce que sur le coup, je me suis dit que c'est le truc le plus simple. Non, mais comment tu peux savoir où on va semer ? Même si c'est dans l'ordre. Je te fais les yeux fermés, si tu veux. Vas-y. Vas-y. Tu passes dessus, dessous. Tu montes. Même si elles sont dans l'ordre, si je fais ça. Oh, tu vas pas réfléchir devant tout le monde. Eh ben ouais. Mais c'est, non, mais c'est fort. Ils vont voir que tu sais pas. Ça y est, j'ai fait. T'as fait quoi ? T'as posé ? Ah, je les ai pas alignés. Tu veux que je fasse comment alors ? Je la retourne ? Dans le dos ? Mais dans le dos, je... Ouais, ah. Tu peux sentir. 4 ? Ouais, c'est ça. Ah, vite, hein ? 4. Ouh ! Non, tu sens pas ça, c'est trop dur pour sentir. Regarde, on le refait. Je suis con, quoi. Comment tu peux savoir que ça, c'est celle-là ? Ouais, si, tu sens, mais... Vas-y, vas-y. Ils sont où ? Tu les as mis ? Tu les as mis ou tu les as pas mis sur la table ? Non, ça y est. Ils sont où ? Attends. Ça y est. Ils sont où ? Là, il y en a une. Ouais, tiens, regarde. Je sais, ouais. 5. C'est bon, c'est ça ? Ouais, c'est bon ça. Ou pas ? Les yeux fermés, les yeux t'attends. Je vois pas. Voilà, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, j'adore. X-ray, X-ray c'est en anglais. Je vois pas. Rayon X. Okay. Rayon X. Toi, tu vois bien en tout cas. Je vois bien à travers de tout. Ah voilà, comme ça, premier truc, je vois pas. Non, mais c'est génial. C'est génial à savoir et à faire, et c'est génial à voir la gueule du spectateur. Donc, il est bien. Si vous avez compris, fabriquez-vous-le. Ça vous donne une idée. Ah, putain, j'y avais pas pensé de le faire comme ça. Si vous n'avez pas compris, achetez que le téléchargement. Et si vous achetez le tour en plus, tant pis pour vous. Achetez directement le tour s'il faut. Voilà. Tu vas nous refaire jusqu'à quand je trouve. Si tu veux. On coupe. Allez. Allez. Joli. Bravo. En tout cas, je sais ce que j'ai fabriqué. Une merveille, du coup. Ouais.